Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors ce matin, je me suis encore levée naturellement à 6h du mat. J'arrivais plus à dormir. Bon, c'est pas grave, ça me permet de bien m'avancer. Par exemple là, tout est prêt. Voilà, mon vlog est déjà programmé, donc c'est cool. Je vais tester, parce que bon, je l'ai reçu. Faut bien que je le teste et surtout que je vous en parle. Vous savez, quand on est sur Octolib ou ce genre de plateforme, quand tu reçois des produits, tu as un certain nombre de jours pour les présenter. Et là, sachant que je pars bientôt et ça va arriver à terme. Voilà, donc aujourd'hui, je teste ça avec vous. J'avoue que j'appréhende parce que moi, j'ai les dents sensibles et on va faire ça. Donc, c'est 16 minutes, le temps de pause. Bien sûr, je vais le mettre en accéléré. Si j'ai, enfin, c'est ce que m'a dit mon dentiste, si j'ai la moindre gêne, enfin, la moindre douleur, j'arrête direct. Mais d'abord, il est midi, je vais aller manger. Déjà, j'ai faim et je pense que c'est mieux pour le blanchiment de manger d'abord, je pense. Alors, d'après vous, ça va être quoi ce midi? Je vais manger des... Oh! Coucou, mon bébé chat. Tu parles, hein? Tu parles à ta maman. Et vous savez ce qui se passe? Je crois qu'il sent. Je crois qu'il sent que je parle. D'habitude, il dort au pied de mon lit. Et là, depuis 2 jours, il dort carrément au niveau de ma tête, à côté, quoi. C'est fou, ça? Hein, c'est fou, ça? Tiens, beau garçon, hein, oui. Je vais finir la soupe et il y aura. Je vais me faire une petite carotte crue avec ça. Voilà, tu fais ça, revenir ça à la poêle sans matière grasse. Mais je vous assure, hein, vraiment, je me force pas. J'adore ça. Alors, est-ce que c'est à force de le faire qu'on aime? Mais moi, c'est le genre de repas. Déjà, ça me cale. Et en plus, vraiment, j'adore ça. Eh ben, c'était très très bon tout ça. J'ai rendez-vous à 14h. J'ai une visioconférence très importante que je ne dois pas louper. Je l'ai noté partout. C'est à 14h et il est 12h38. Jusqu'à 14h, je ne fais rien pour être certaine de ne pas le louper. Et après, avec Eric, on doit aller. Il a besoin de pantalons. Donc je vais en profiter pour regarder aussi. Et ça va un petit peu nous changer, nous faire sortir. Bon, ça y est, je suis prête, hein. J'attends, il est 2h20, j'attends l'heure, je suis sûre de ne pas le louper là au moins, par contre je pique du nez, hein. 3 matins de suite, 6h là, j'en peux plus, franchement si avec moi juste après la réunion, je ferai une sieste au moins de 20 minutes pour me recharger un peu, mais bon j'ai dit à Eric qu'on allait faire, qu'on allait voir pour ses pantalons, le kit, hein, j'ai pas oublié, on va le faire, le test, mais ce sera plutôt je pense en fin de journée, c'est pas gênant hein, qu'on le fasse maintenant ou ce soir, c'est la même chose. Ça y est, c'est fait, mais pas sans flip en fait, ça ne fonctionnait pas, il fallait qu'il y avait adobé, enfin bon, en grosse panique, 14h, 14h02, j'arrivais pas à me connecter, il fallait que je désinstalle adobé, que je réinstalle, bref, c'est fait, et là, direction la sieste. Allez, maman, elle y va, elle est trop fatiguée, maman, comme toi. Eh oui, à tout à l'heure, mon Jackie. Je n'ai pas dormi, mais je me suis posée un bon quart d'heure. J'étais pas dans un sommeil réparateur. Il faudrait que j'essaie encore 10 minutes environ, mais en même temps, j'entendais Jackie avec ses petits pas qui faisaient des va-et-vient. Jackie, quoi. Quand je vous dis que j'arrive pas à dormir, et il s'est mis derrière le rideau. Je te vois, hein. Là aussi, je te vois, hein. Non, là, je crois qu'il me laisse vraiment pas le choix. On va goûter, c'est ça? Oui. Je sais, tu veux goûter ta croquette. Remarque, maman aussi, à la fin. On y va? On y va? Allez, on y va. On va partir en ville que d'ici une demi-heure. Ça va me laisser le temps de faire le test du blanchiment, vu que ça dure 16 minutes. Je viens de me laver les dents, parce qu'apparemment, il faut se relaver les dents. Et c'est parti. Alors,
Bon, déjà, j'ai pas laissé 16 minutes. J'ai laissé que 8 minutes. J'ai pas réussi. Parce que t'accumules beaucoup, beaucoup de salive. Et à un moment donné, voilà, j'ai pas pu. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, déjà, j'avais oublié de le dire, parce que je l'avais dit dans une vidéo précédente. Si j'ai accepté de le faire, c'est qu'il n'y a pas de, comment on dit, de peroxyde. Enfin, ce qui va venir vraiment agresser et abîmer les dents. Donc, c'est pour ça que j'ai bien voulu le tester. Je l'ai mis vraiment sur les 4, enfin, les 6 dents de devant. C'est tout, j'ai pas fait en dessous, j'ai pas fait plus loin pour voir. J'arrive pas à me rendre compte, j'ai l'impression que c'est pareil. Par contre, je suis montée, bien sûr, rincer ma bouche. Et c'est vrai que les dents sont quand même plus éclatantes. Ça fait comme si on avait fait un profond nettoyage, peut-être. Après, j'ai pas laissé la totalité à voir. Et c'est le genre de truc qu'il faut, vu qu'on a quand même 3 petits stylos, qu'il faut faire assez régulièrement. Je pense pour équilibrer, je referai la partie basse. Là, j'ai pas mal, j'ai pas de sensation de froid, de chaud, ce genre de truc. Ça va, j'ai testé, au moins je sais, et comme je vous dis, je ferai quand même le bas. Je vais vous mettre le lien du produit dans la barre d'infos, et je rappelle, je l'ai reçu gratuitement, grâce au site Octoly, et puis à la marque Smile Carbon. T'as une idée au fait? Quel magasin on va? Ouais, parce qu'on sait pas. Bon, au final on va chez River Jeans. On a atterri chez Intersport parce que il est trop grand, il a des jambes trop longues, et il n'y a pas sa taille à chaque fois. C'est la galère. Pas repris, mais bien sûr on est rentré entre temps, une fois qu'il avait trouvé le jean qu'il voulait, ça lui va, il lui va vraiment bien, mais j'avoue que c'est galère quand t'es grand comme ça, c'est pas évident. Alors là j'attendais que ma vidéo elle se mette en ligne parce qu'il est 6h10 et bah, je vais aller un petit peu marcher, je vais en profiter pour aller chercher 2-3 petites choses qui me manquaient à la supérette, mais ouais j'ai besoin, c'est vrai que je passe beaucoup trop de temps assise devant mon bureau, je sens que là, en plus, bon, je suis crevée, quand tu es crevée, tu mélanges tout, donc ce soir, il faut que j'arrive à me coucher tôt, bon sang, et que je me pose avec un bouquin, ça va m'aider, voilà, que je fasse une bonne nuit, parce que bah, j'en ai besoin. Oh, je sens que cette balade, ça va le faire. Regardez-moi la couleur là-bas. On dirait que la ville prend feu, c'est le coucher de soleil. Ouais, donc très fatiguée en ce moment, forcément, je l'ai déjà dit, manque de sommeil. Et ouais, des petites inquiétudes. Je suis très contente de partir, évidemment. Mais je reste quelqu'un d'anxieuse, donc il y a l'avion, il y a tout ça. Moi, je suis phobique, plus de l'avion. Mais vraiment, en fait. Mais là, j'arrive à faire abstraction. Je suis contente d'y aller. Il fait quoi lui en fait? Donc je vous disais, avant qu'il m'en... Bip, bip. Je reste quelqu'un d'angoissé et les départs comme ça, ça me fait flipper. Je m'étais dit cette année, c'est fini quoi les angoisses, tu y vas. T'as peur, bah tant pis, tu prends sur toi. Vas-y, c'est pas grave, tu vas pas m'emmerder avec tes angoisses. Tu prends sur toi, t'es une grande fille et ils font comment les autres? Voilà. Mais je sais que mon inconscient, des fois, il frappe, il fait hey, « Hé, Caro, tu te rappelles? T'as peur de l'avion, hein? Et tu vas le prendre, tu fais comment? » Tu vois, les petites voix comme ça. Et quand j'angoisse, bah, je viens me balader. Il est quand même ultra net, mon téléphone, hein? Vous avez vu ça, la qualité, l'écorce et tout? Ouh. Voilà, j'ai bien sûr. J'ai pas pris grand-chose, en même temps, j'étais à pied, donc j'allais pas me charger. J'ai vraiment pris ça, j'en avais quasiment plus. Et mes pruneaux aussi, voilà, je voulais aussi une soupe en plus. Et comme ça, c'est bon. Alors là, j'ai fait très fort. Je sais pas ce qui s'est passé, je vous ai quitté. Il était 18h30 quand je suis revenue de la supérette. Et là, il est 23h. Ouais, j'ai fait d'autres trucs. Bon, ça arrive parfois. Je vais clôturer ce petit vlog maintenant. Je vais pas vous dire à demain parce que demain, je ne vlog pas. Je vais vous dire à lundi, 18h. Dans un nouveau vlog. Voilà. Allez, salut !